Voyons voir. Où peux-tu bien se cacher? Pouvez-vous m'aider? Ouais. Merci. Alors, les règles sont simples. On peut pas se cacher dans les maisons. Oula. Ou on ne peut pas être vu. Oh. Oh, il y a un jeu de Il y a un cache-cache. Il y a toujours un cache-cache dans les JRPG. Toujours. Ouais. Là, c'est pour apprendre qu'il y a une source qui va jusqu'au château. Il y a un gars qui pourrait nous aider. Fils de l'armurier. En plus, ça parle de ça. C'est un arnaqueur qu'on avait capté. C'est quoi ça? Mais non! C'est quoi cette maison, on le connaît. Déjà, il y a toi. Ah, vous m'avez trouvé! Ah bah travail, la prochaine fois je me casserai mieux. Hein? Allez que je vous raconte mon histoire quand je suis descendu dans le puits. Oh vas-y! Oh oui! Ah ça fait longtemps qu'on ne m'a pas posé de questions à ce sujet. Ah, tout le monde voulait le savoir à l'époque. Eh bien, j'étais encore petit quand je me suis caché là-dedans. En fait, je m'étais perdu. C'était assez embarrassant. Au début, je pensais suivre le courant, mais une grille m'a arrêté. Alors j'ai nagé à contre-courant. La vitesse du courant changeait constamment, alors il fallait bien gérer le timing, c'était vraiment difficile. J'ai entendu dire que c'était à l'ouverture et la fermeture de la porte d'écluse qui modifiait la vitesse du courant. À force de nager à contre-courant, je finis par arriver sous le château, là-bas. L'attentant m'a sacrément foutu les jetons. La grille du puits est fermée depuis ce jour. C'est un endroit génial pour se cacher, mais c'est pas fait pour les amateurs. La clé, le vieux type qui est assis sur le banc à l'est l'a toujours sur lui. Oh oui! À l'est, un vieux blanc. Oh merci gamin. Oh ouais. Attends, tu vas me dire c'est... C'est toi? Connard. La clé du puits. C'est bien moi qui suis responsable de l'association des réseaux de distribution d'eau. Pourquoi voulez-vous cette clé? Je sais pourquoi. Est-ce qu'on dit la vérité? Je suis sûr que c'est un homme du peuple. Attends, il avait parlé de son meilleur pote qui a dit ouais c'est bien qui continue comme ça. On va sauver ça. Quoi? Vous voulez vous opposer à chacun? Mais c'est génial ça. Non vraiment. À vous admire les gars. Et vous conviez la clé. Occupez-vous de ce jeu de camp pour moi. Ouais. Ah, le genre de battre ça infiltrera. Non, le chaton, passons par les canaux souterrains. Ah, dès que nous aurons commencé le tournoi, il y aura le choix entre passer par ce puits ou par celle de l'autre côté de la ville. Ok, je peux pas aller récupérer la pépite maintenant. Ah, ça se trouve, Non, je vais aller voir avec le puits de l'autre côté. Histoire 2. Mais ouais, ce sera qu'on devra combattre en même temps de... Ok, c'est bon. Et on contrôlera Bart. Donc il va falloir récupérer... l'argent en même temps. Il faudrait mieux aller de celui-là. Tous les coups, vu que c'est en... dans la direction.
Ah. Ouh. Wait. Non. Normalement, on est bon. Pourquoi ça a changé? C'est parce qu'il s'est barré. Je crois que c'est l'un des JRPG pour le moment où j'ai fait le moins de combats de toute ma vie. Il y en a eu un, mais... Pourquoi je suis ressorti? Bon, après, là, ça va être séance... après. Normalement, on a la stratégie. On est bon. Vous trouvez un moyen de rentrer dans le château? Oh oui, une minute! Je viens de me rappeler d'où provient l'eau de Bledavik. Ah, sa source se situe sous le château et s'écoule vers la ville via des canaux souterrains. Ah, nous pouvons accéder au château en passant par là. Ils devraient nous mener jusqu'à leur réservoir. Si nous parvenons jusque là, nous devrions pouvoir nous glisser à l'intérieur du château. Ah, très bien. Demain, faire participera au tournoi au château de Fatima. Et tâchera d'y faire bonne figure, afin de distraire les gardes. Pendant ce temps, Bart s'introduira dans le château en passant par les canaux souterrains via un puits. Il devra trouver Marguerite et fuir du château avec elle. J'accompagnerai Fay au tournoi, j'aiderai à chauffer la foule et à sécuriser notre fuite. Ah, les préparatifs de notre plan sont terminés. Ce soir, nous resterons à l'hôtel et nous partirons demain. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons pour le moment. Allons nous détendre en ville. Ok. Attends, il y avait un truc là avec les elfes. Pas du tout, c'est pas. Bon. Attends, mais je suis tout seul là. Oui. Ici. Voyons voir. On va récupérer un ballon. C'est Bobby 2. Ah bah si, le carrousel au ballon. Dégueule la partie. As-tu envie de jouer? Vas-y. Qui va jouer? Quoi? Bienvenue au carrousel au ballon! Laissez-moi vous expliquer la règle. Des ballons de différentes couleurs vont sortir des quatre trous. Vous devez les éclater à chaque couleur qui vous déploie. Bleu 10 points, vert 20, jaune 40, rouge 80, blanc moins 100. La récompense dépendra du nombre de points que vous obtenez, André. Au bout du temps parti, début de la partie! Ah! Cours, cours, cours! Comment je les éclate? Ok, faut courir! Ah! Au secours, ça va vite! Non, non! Oh le bat! Ah, panique! Non, non, non! Ah oui! Ouais, plein de points. C'est vrai qu'on peut sauter. C'est nul. Je suis mauvais. Perspective. Oh non, c'était pas toi que je visais. Ah! 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 Vite! Non! Moins 50?
Vous avez obtenu moins 110 points. Bravo. Score. Ce mini-jeu. On va se barrer, hein. Au revoir. Je sors comment? Laissez-moi sortir. Oui. C'est tout fait. C'est moi. Boutant de la taverne du porcelainier Alain. J'étais pas sûr que tu me reconnaîtrais, étant donné mon apparence. Alors, comment vont ma femme et ma fille au village? Ah! Bien sûr qu'elles vont bien. C'est la seule chose qu'elles font de bien, d'ailleurs. J'ai envie de rentrer, mais je n'ai toujours pas l'argent pour les faire venir à Havre. Oh, j'en ai fini avec les préparatifs du festival, alors j'ai commencé un autre travail. Je suis vraiment très occupé. J'espère pouvoir un jour monter une petite auberge dans un village comme là. Pour rassembler l'argent nécessaire, aussi démarrer une affaire. Je ne sais plus où donner de la tête. J'aimerais envoyer ma fille dans une bonne école et acheter de belles choses à ma femme. Oh, désolé, je parle trop. Je dois y aller, sinon mon patron va s'énerver. Alors à plus tard, fait. Passe le bonjour à ma femme et à ma fille pour moi. Dur. Oh mais c'est un Gundam. Pourquoi à quoi d'autre vraiment? Il chamboule tout? Oh de la binouze. Oh, c'est quoi ça? C'est diseuse de bonne aventure. Let's go. Laisse-moi fouiller dans votre passé subconscient. Oh, ça vous intéresse? Ouais, vas-y. Je vois. Oh, je suis devenu transparent. Une petite fille enfermée dans une grande tour au nord. Ok, c'est bizarre. Heureux Bobby le ballon. On va dormir. Pas des mini-jeux comme ça hein. Avec où tu dois bouger la caméra en même temps c'est pas du save. Bon non, dormons. Ah, désolé, je ne peux pas vous aider. Oh, je suis prêt pour demain. Allez dormir, hein, je suis crevé. Ah, tu peux visiter la ville encore un peu? Non, dormons. Ouais, demain sera difficile pour nous deux. Ah, bonjour. L'opération sans bon mari a commencé. Ok. Alors, fait. Et moi, allons nous préparer pour le tournoi à l'arène. Dès qu'il aura débuté, Bart passera par les canaux souterrains vers le puits pour s'introduire dans le château. Ok. Ça, on avait capté. Bart, si vous nagez à contre-courant, vous devriez atteindre le château. Je suis certain qu'il y aura encore des gardes là-bas. Débarrassez-vous-en discrètement, si possible. Nous allons mettre l'ambiance en tournoi pour attirer l'attention des gardes le plus longtemps possible. Et ça vous donnera l'occasion de sauver Margie. Des questions? Non.
Ah, alors, allons-y. Ah, jeune homme, faites attention à vous. Oh, on est tout bon. Let's go. Piou. Oh, il y a un trou. Tu as bien donné les clés. Ah oui. Ok, go. Un siège de reine, coutin, sauf pour les participants, vous pouvez passer. Merci, je suis participant. Vous êtes un participant, donc vous pouvez passer. C'est parfait. Quand est-ce qu'on commence? Seuls les participants sont autorisés à passer. Votre ami devra rester dans les zones réservées aux spectateurs. Ah bon? Eh bien, je serai là pour t'encourager. Ah, n'aie pas tes adversaires au tapis trop tôt. Plus tu feras gagner du temps à Bart, plus ce sera facile pour lui d'infiltrer le château. Ok, il y aura un bail comme ça. Go. What the? Je te connais, toi. Donne. Mais que fais-tu ici? Ah si, c'est à cause de toi, Cyanis. Oh, je ne te le pardonnerai jamais, je vais te tuer. Donne. À tous les participants, nous allons bientôt commencer. Veuillez entrer dans l'arène. T'es l'ennemi de tous les larrons. Je vais te botter les fesses devant tout le monde et n'essaie pas de te défiler. Oh, je vais te... Donne. Ouais, mon ami, tu viens de là-haut? Hein? On dirait bien que tu as des soucis avec ce jeune homme. Ah, vous êtes qui au juste? Mêlez-vous de vos affaires! Qu'y a-t-il de si drôle? Rien. Ah, je me disais juste que ce combat risquait d'être fort intéressant. Ah, je suis impatient de voir ça. Ouais. Hein? Comment ce type connaît mon nom? Je ne me suis même pas inscrit sous mon vrai nom. Mais il l'a pas dit, Dan. Non, il l'a pas dit en plus. Il a fait « Je vais te niquer ta mère ». Non, ça va commencer. Je ferais mieux d'aller me préparer. Est-ce que ce plan va vraiment fonctionner? Oh, on ne peut plus revenir en arrière. Si quelque chose tourne mal, on ne peut plus rien y faire. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Fay fera de son mieux, et puis si tant est avec lui. Tout ce que j'ai à faire, c'est m'infiltrer dans le château en passant par un puits. Allez, les doigts dans le nez. Ah, je l'espère. Ah bon, j'y vais, Marjorie attend dans le château. Très bien, soyez prudent. Et merci de venir en aide à Mère Marguerite. Ah, pas de soucis, vous ferez mieux de quitter Ava maintenant. Les choses risquent de dégénérer très vite. Ah, merci. Ok. Joue Bart. Barthélemy. On va dire celui-là. Comme dit. Oui. On tombe dans l'eau. Ah, des jeunes hommes courageux versent leur sang dans les champs de bataille. Notre armée est la meilleure, mais le cours de la guerre est incertain. Pour protéger la transition d'hommes et préserver la paix, nous devons tout faire preuve d'une détermination sans faille. Le désert est un trésor précieux qui nous est légué de nos ancêtres. Et si nous pouvons forger notre esprit, notre corps, notre... Les instructions sous le soleil levant. Nous sommes réunis ici pour aujourd'hui pour que cela ne forge le soleil et la terre. Mais enflammé le cœur, nos pères en font, le vent souffle. Oui, oui, déterminons nos prières et nos fils au front. Ce toit est tenu aujourd'hui pour revivre la flamme et la fierté de notre peuple. Tu désires afin que ce dernier nous accorde sa bénédiction. Courageux guerriers, battez-vous vaillamment et montrez-vous dignes de nos frères au front.
le 339e tournoi commence. T'es sérieux là? Un discours émouvant, si je puis dire. Oh, commandant Ramsus, désolé de vous avoir fait attendre. Par ici, s'il vous plaît. Ah, j'ai bien peur de ne pas avoir le temps pour ces stupides festivités. Je suis passé juste pour vous faire mes adieux. Quel dommage! Vous n'aimez pas notre divertissement! Ah, je trouve ça ennuyeux. Ah, voyons, commandant Chacan. Essayez juste de faire preuve d'hospitalité. Personnellement, je trouve les arts martiaux très intéressants. J'ai hâte de voir le tournoi. Oh, dire que cet événement vous rend hommage. Commandant, on n'est pas un euphémie. D'être gracieuse en ces temps difficiles nous permet aujourd'hui de célébrer la fondation du pays. La fondation? Oh, quelle insolence! Ce n'est même pas votre pays. Faites comme bon vous semble. Mia, feriez-vous l'honneur de votre compagnie au tournoi? Oui, avec plaisir. Ça commence! C'est vrai que c'est peut-être un peu barbare pour eux. Le premier match, Gonzol contre le Fainéant pour Fendure! Ouais! Oh! Oh, quel beau garçon! Oh, quel BG! Ah ouais, commence! Faut pas taper trop vite et trop fort. On a toujours pas de con. Ah, j'ai un combo! Enfin. J'ai rué sauvage. Ok, c'est ça le combo. Il me fait très mal. 16. Je mets mon temps. Hein. Si je fais ça et ça. Oh non, j'ai buté. Ah non, c'est bon. J'ai peur. Il est pas mort. Je sais pas comment il sera déterminé le temps. Oh, le coup de boule. Ah, tu sais quoi, je vais utiliser un objet. Voilà. On gagne du temps. Et je peux pas refaire Mais il tank quand même. What? Il m'a fait quoi là? Il m'a fait bien mal. Full 55.
encore une. Ah, parce que ça se trouve, on n'est même pas. À Ragen. Donc, ce sera embêtant. Ok, c'est que dès le début. Il n'y a pas de. Je peux faire deux coups et machin. Ok, ça devrait aller. Fureur brutale. What? Non. Besoin, hein, c'est déjà équipé les gens. La la li la la, mon âge. Oh, mais dis-moi que c'est ici. Oui. Ça va plus ou moins vite de temps en temps. Ah! J'appuie sur rond! Allez. Droite. T'es où? Put. Fermé. Ça devait être l'autre. Genre on l'a bien pris. Allez. Ah, faut. Ah, pour lutter contre le courant, faut y aller. Hein. Ok, super. Ah non, tu connais pas. C'est monté. Gauche droite, gauche droite, gauche droite, gauche droite. Il y avait un truc là. Attends. Ah, je vais à droite. Il y avait un truc là. C'est quoi ces goûts de mort? Ah le bâtard. La gauche. Ouais là. Je suis perdu. Je suis perdu. Non. Je suis au début. Mais non, c'était un tout droit. Fais quoi? Me dis pas que je suis ressorti à l'extérieur. Oh, je suis allé là. Oh l'angoisse. Oh. J'ai vraiment peur qu'il y ait un temps limité. Attends, pour récupérer la pépite par contre.
Ouais, ça veut zéro. Commence à avoir mal au doigt pour le bouton. Allez, Bart peut le faire. Mais nous, on galère en tant qu'adulte. Alors, le gamin qui. Qui s'est paumé, ça devait être terrible. Comment il a fait pour ne pas mourir? Il y a un truc à gauche. Ah ouais. Alors, il me calait à gauche. Au niveau des poutres. Ouais. Oh, encore un truc à gauche. Oh mais c'est en 3. Son 6 ni. Allez. Je vois le bout. Oh, ça doit être la vanne. Ah, faut trouver le bon moment. What? Ah, deuxième combien? Ah, Big Joe! On le connaît, lui! Non? C'était pas lui, mais il avait pas les cheveux roses. Alors. Ça me fait zéro dommage. Sérieusement. Erreur brutale. Rue sauvage, on l'a donc fait. Et ça coûterait les PA. Donc si juste ah je peux le faire nature. Ok, je comprends mieux comment c'est, à quoi ça sert la barre de PA. Tutu. Au moins c'est indiqué et on peut le faire sans barre de PA. Là on a gagné 4. Ah oui, petit heal hein. Et il a droit d'attaquer deux fois. Et là maintenant en fait théoriquement je peux faire directement. Ah je peux faire des combos. Je peux faire clac clac. Ah oh mais c'est trop bien. Pou pou pou. On va tester. Hein. De toute façon, il nous fait zéro dommage. Alors, on est à 12. Attends. Je peux en mettre plus? Est-ce qu'on peut faire des combo ultime? 16. Ah ouais, c'est pas mal.
Splack. Splack, 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 splack. Oh. Je comprends un principe. Et son style quand même. C'est mal les fans qui me font plus de dommages. Lui-même. Tout ce quoi. En vrai, tu fais ça, comme ça, t'en gagnes un et après ainsi de suite. Mal les fans. Il y a un XP, sérieusement. Au secours. Une veste de métalleux. C'est cool. Je passe un bon moment. Oh, la pépite d'or, Osef. J'espère qu'on pourra y retourner plus tard, qui sait. Et toi, encore en train de jouer dans le réservoir? Sors de là immédiatement, c'est ça le garde-mou. Oui, mais j'y vais. Non, monsieur, rien à voir. Combien de fois je devais le répéter? Ça fait combien d'années? T'as l'air d'avoir bien poussé, mon grand. Et tu vois mon enfant avec qui j'avais l'habitude de jouer à cache-cache? C'est une blague ou quoi? Eh bien, tu vas me répondre. Oh, qu'est-ce que vous m'armenez dans votre barbe, monsieur vieil homme? Ah, déjà tout petit, je vous entendais douter encore et encore. Je vois que ça ne s'est pas amélioré avec le temps. Quoi? Moi, radoter? Tu dis que je radote, cette petite morveux? La seule personne que j'ai autorisé à me parler comme ça était ma propre mère et le jeune prince. Majesté, quel était son nom déjà? Oh, sa majesté le prince Barthélemy. Oui, c'est ça. Sa majesté le prince Barthélemy. Eh bien, t'as l'air d'en savoir beaucoup pour un petit voyou. Si Barthélemy était encore vie, il aurait eu à peu près ton âge. T'es au courant que lui et sa famille ont été assassinés par ce petit salopion de chacun? Je ne me le laisserai pas faire, chacun, je protégerai les eaux d'Ave jusqu'à ma mort. En souvenir de la bienveillance du roi et du jeune prince. Non, vraiment, merci bien, mon père serait heureux. Hein? Comment ça, père? T'es le fils d'une de mes connaissances ou quoi? Attends, je sais. Non, c'est pas ça. Oh, je me rappelle pas que le roi avait des fils cachés. Oh, désolé, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer. La mémoire vous reviendra. A plus, mon vieux. Je suis pas sûr d'avoir déjà eu. Le vieux est un peu sénile. Sénile?
quoi si je fais ça? Vite, barre-nous. Il risque pas de choper une pneumonie en restant ici pour à côté de l'eau. Ce sera embêtant. On dit rien, papy. Je dois sauver quelqu'un. Là, faut faire attention. Vite, vite, vite. Tcha, 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 tcha. Tcha, tcha, tcha. Ah, merde. Non. Je l'ai pas vu. Ouais, il est bugué. Oh, il y en a 3. Il y en a 4. Comment je l'assassine discrètement? Wait. N'importe. Attends, viens. Viens, viens. J'attends. On va essayer de passer sur le côté. Ah zut. Ah, parce que ça parlait de discrétion, mais c'est tendu. Je suis obligé de combattre quoi. Cool, level up. On gagne rien. Ok, c'est comme ça. Oh oh. On va jeter un coup d'œil. Ouais, t'as vraiment ça, quoi. Ah, mais après, il y en a deux. C'est pas grave, c'est bon. Ah! Et là, lui. Ah, je peux rien faire. Je pensais à appuyer sur tous les boutons, mais... Bande d'aveugles. Oh, les cuistots. Ah, il vient là. Barre-toi. Attendre. Même un étage. Discrétion. Je m'en fous. Ah, des babysitters, hein. Quand les demi-finales arriveront, nous irons voir le tournoi. Ouais, t'as raison. Oh, on est au cocard.
C'est que dans un moment elle est à l'étage forest. Je vois rien devant. Est, j'ai dit. De l'autre côté. Oh, c'était qui toi? Je suis venu parce qu'on m'a appelé. Peut-être dû à mon âge, mais j'aime pas trop les endroits bruyants. D'accord. Zut. On les voit pas. Ok, c'est vénère. Attaque des terres, ouais. Ok, on va peut-être lui filer une popo. Il prend char. Non. Il court tellement vite. Ok, tac tac, ça se tue. Après l'infiltration, comme on sait, si tout le monde est mort, c'est qu'on est discret. J'avoue. Ah non. C'est le retour de lui. Toi, je te connais pas. Il esquive. Oh, il m'envoie des couteaux. Ah ouais, c'est comme ça. Sa force diminuée. C'est pas grave. Oui, quand même. Ouah, c'est vénère. Oh, il est jeune. Il y a encore des minima force. Non mais arrête avec ta médecine douce là. Solo. Solo guide. Il fait pas grand chose. Je suis poison. Non, le poisonade. Après, faut pas perdre.
pas si cher. On va faire comme ça. On va remonter à l'EPA. Zut. Pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ça, on lui mettra la max. Ok. Une petite guérison. On est au-dessus. Combo! Ta-ta-ta-ta-ta! Die! Ah oui, il m'a saoulé. Oh la violence. Ouh. C'est pas mal. J'espère qu'on a plus le poison après. Hein. Non, c'est ennuyeux. Supposer ici. Pas du tout. Ok, derrière il y a le tournoi. Ah mais c'est une tour. Fermé. Le tournoi est toujours en cours. Si on vient de rentrer par là, mais ils en repop. Wait. Des ennemis. J'arrive pas à voir. On a beblé attaqueur. Et toujours. Il y en avait un. Dès qu'il passe, on trace. Il y en avait un autre. En espérant que ça reset pour l'autre. Comme ça, eux, on les bute. Ah, faut mourir. Ça reprend déjà. Ah là là.
On n'a mis pas assez de temps. Demi-finale du tournoi. Qu'est-ce que t'es venu faire ici, Don? Eh oh, je me suis échappé de chez lui. Je suis venu ici pour venger la mort de ma sœur. S'il te plaît, Don, arrête. Ferme-le, je te pardonnerai jamais, assassin. Mais qu'est-ce que tu attends de moi exactement? Protection. Oh, je vais te pulvériser. Je te taperai pas, gamin. Non, mais il faut vraiment que je le t'attaque. Là. C'est ça le bail, hein. Full défense. Ouais. Tu peux rien contre moi, gamin. Il va se fatiguer. Il a l'air de faire mal quand même en me défendant. Ok, il me le fait deux fois. Mais... je vais plus le vert. En plus, j'ai plus beaucoup de mana. Wow. Heureusement que je me suis là. Un canon garlic. T'as plus de force, gamin. Tu ne peux rien faire face à moi. Non mais encore, mais j'ai pas le temps de régénérer en même temps. Parce que là, ça me refait 90. J'ai peur. Hein. Il fait zéro dommage par contre. On va utiliser Popo. Je pensais pas que ça allait être lui mon adversaire le plus difficile. Il est tellement vénère. Fais pas de grosse attaque. Ok, parfait. Allez. À 55. À d'autres, on faisait vachement plus de dommages. Je t'apprendrai la maîtrise du ki. Non mais deux fois de suite!
un combat que je peux gagner. Ah, il faut que je gagne. C'est pas possible, les autres vont se moquer de moi. 3. Non. Donne. Je... Tais-toi, je ne veux plus entendre tes stupides excuses. Fais, t'es qu'une ordure. Il veut vraiment que je perde? Mais c'est nul. J'ai retrouvé mes PV et... J'ai rien capté. Au secours.